C'est lui mon héros. Il a vécu le tombeau et il me mène de zéro. There's not a person. Depuis que tu es petit, since you are young, tu as grandi. You grew up. L'onction était déjà sur toi. The anointing was already on you. La grâce et la faveur de Dieu te suivent. The favor of God was already on you. Bring it forward, please. Je l'amène là-devant. Bring it forward, please. Something is happening. Je suis en train de dire à une personne. I'm saying to a person. Écoute-moi très bien. Hear me properly. L'onction. The anointing. L'onction. The anointing. Le don du discernement. The gift of the discerning of the spirit. Tu l'as déjà reçu. You already received it. Depuis que tu étais petit, since you were small, tu voyais des choses. You were seeing things. Tu ne comprenais pas. You could not understand. Pas même quand tu parlais de ces choses. Even when you're speaking about those things. Les gens ne comprenaient pas. They were telling you keep quiet. Oh, ils savaient pas. But they did not know que Dieu avait placé ça déjà. God has already placed that. Parce que le temps allait arriver. The time will come où Dieu va faire ressortir ce God will bring up this gift pour que sa gloire soit manifeste. His glory to be manifest. Je vais t'annoncer. I've come to tell qu'aujourd'hui même, today, Dieu ôte God remove le voile. Dieu pointe tes yeux. God anoint your eyes. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant. Non. Maintenant. Non. Maintenant. Non. Non. Stand up. S'il passe quelque chose actuellement dans ton cœur. Something is happening now in your heart. Stand up, please. Qu'est-ce que tu sens là? What you feel? Tu sens la douleur. Very angry person. Et cette flèche and that arrow a été lancée à très longtemps. Was sent very long time. Voilà pourquoi elle sent cette douleur. That's why she feel the pain. Mais pendant que je parle. But while I'm speaking. J'ordonne I command à cette douleur de sortir. That pain to be maintenant. Now. Je dis bien maintenant. I'm saying now. Voici l'onction. Here is the anointing. Voici l'onction. Here is the anointing. Jésus. Voici l'onction. Here is the anointing. Voici l'onction. Here is the anointing. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Restez à côté de maman parce que l'onction de mommy is coming down on her is very strong. God is anointing her. Elle va rentrer dans une nouvelle dimension. She will enter into a new dimension. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Reçois. Receive. L'onction qui est sur elle. The anointing that is on her. Le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant. Now. Aidez-la. Aidez-les. Help. Aidez-les. Help. Aidez-les. Help. Help them. Amenez-moi la soeur, s'il vous plaît. Aidez-les. Il se passe quelque chose. Je suis en train de vous dire. Voyez l'onction. You see the anointing. Voyez comment ses yeux commencent. See how her eyes start. Dieu est en train de oindre ses yeux. God is anointing your eyes. À partir de cet instant. From this moment. Elle va commencer à voir. She will start seeing. Des choses incroyables. Unbelievable things. Rien ne sera caché. Nothing will be hidden. Wow. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit of God. Il est en train de ouvrir tes yeux. He's opening your eyes. Jésus. Thank you, Jesus. Il se passe quelque chose en ce moment. Something is happening now. Il est en train d'ouvrir tes yeux. Open your eyes. Je suis en train de dire à quelqu'un. I'm saying to somebody. Ta vie ne sera plus comme avant. Your life will not be like before. Dieu te révélera les choses cachées. God will reveal you the hidden. Il révélera les choses cachées. God will reveal you the hidden things. Il révélera les choses cachées. God will reveal. Dieu va leur montrer beaucoup de choses. Tu ne peux pas être avec un prophète et puis tu ne verras pas. C'est pas possible. Dieu va t'ouvrir les yeux. Que toi aussi tu puisses rentrer dans la dimension de ton père. You open your eyes when you enter the dimension of your father. Apôtre, reçois l'onction. Apostle, receive the anointing. Reçois l'onction. Receive the anointing. Reçois l'onction. Receive the anointing. Mettre le feu dans l'église. I'm going to put the fire in the church today. Reçois l'onction. Receive the anointing. Reçois. Receive. Que Dieu ouvre tes yeux. Let God open your eyes. Que Dieu ouvre tes yeux. Let God open your eyes. Que Dieu ouvre tes yeux. Let God open your eyes. Que Dieu ouvre tes yeux. Let God open your eyes. Que Dieu ouvre davantage tes yeux. Open your eyes even more. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. What's happening? Oh my God. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. I don't know what's happening. Oh my God. Jesus.
Receive. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. In the powerful name of Jesus Christ. Reçois encore. Receive again. Recevez. Receive. Ministers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aider le caméraman? Parce que lui, je vais prier pour lui. I want to pray for him. Reçois. Receive. Aidez-le. Help him. Aidez-le. Help him. Non. Un new decree in them. Vous savez, you know, elle a besoin de l'onction. She needs the anointing. Elle a besoin. She needs the anointing. Jésus. Elle a besoin de l'onction. She needs the anointing. Que l'onction the anointing soit is to be ahead. The anointing is to be ahead. Ce que j'ai ressenti tout à l'heure. What I felt earlier. Bon, comme j'ai pas, je sais pas, mon habitude, j'aime pas crier la douleur. I don't like to cry out the pain. Mais ce que j'ai ressenti. What c'est comme il y avait le feu dans mon cœur. There was fire in my heart. Mon cœur battait my très heart fort. Beating really fast. As if my heart wanted to come out. Donc c'est pour ça que j'étais assis. That's why I was sitting. Il a prié pour moi. The prophet prayed for me. Cette douleur, elle a commencé à sentir. C'est une flèche. It's an arrow. C'est une flèche. It is an arrow. C'est une flèche. It is an arrow. Cette flèche. That arrow. C'est pour qu'elle aille mal. It's for get angry. Elle devient très colérique. It can become very angry person. Et cette flèche. And that arrow a été lancée à très longtemps. Was sent very long time. Voilà pourquoi elle sent cette douleur. That's why she feels the pain. Mais pendant que je parle. But while I'm speaking. J'ordonne I command à cette douleur de sortir. That pain to be. Maintenant. Now. Je dis bien maintenant. I'm saying now. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. J'arrache. I remove. Le mal. The pain. Maintenant. Now. Merci Saint-Esprit. C'est la douleur c'est venu par là. The pain came from the back. Il a prié. He prayed. Je pense que la douleur est sortie par là. Came out from the top of my head. Chaque fois qu'il y a un témoignage, when is the testimony? J'aimerais bien comprendre. I would like to understand fully. Est-ce que c'est bien qu'on on comprenne mieux? It's good for us to understand la douleur d'abord. Where the pain came from? Là. From your heart. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? After what happened? Ça, il y avait, c'est comme le feu. It's like fire. Et puis le cœur, ça battait. But the heart was pumping really hard. Ok. Really fast. J'étais assis. That's why I was vous sitting. Avez prié pour and moi. You prayed for me. Mais il a senti and un peu I could feel the pain. Thank you.